Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale à Cubase. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au studio, nous sommes bien évidemment à 75 km de la ville de Kinshasa. Nous sommes au niveau du territoire de Kasangu, dans la province de Congo central, où Madame la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, procède au lancement de la première école de formation du personnel pénitentiaire. Ici, 50 jeunes congolais, bien évidemment, seront formés pour gérer nos différentes prisons. Ils seront donc des futurs directeurs des prisons. Et ici, ils seront enseignés par des experts et de la MONUSCO et des autres organisations. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voulais suivre ce qui sera la réception de ces nouveaux locaux par madame la ministre, et la visite des différents sites qui abritent cet espace. Puis, on va se retrouver tout juste après. Pas tous nos matières, 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 pas tous nos matières
Get out.
Vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant troupe, capitaine Kilanga Muhiwa, check. Les troupes, terminé. En ce moment, madame la ministre de l'État, ministre de la Justice, le garde des Sceaux, à l'occasion de l'ouverture de l'inauguration de l'école de formation pénitentiaire, nous vous remercions d'abord pour votre présence et pour ce point. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous demandons de continuer avec l'offre que vous avez pu continuer, pour que les autres agents puissent aussi bénéficier de cette formation pénitentiaire que nous avons. Nous vous remercions. Représentant. Et de l'état de droit, le général Maudy Berthet, monsieur le secrétaire général à la justice, mesdames et messieurs les formateurs, mesdames et messieurs les stagiaires, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs à vos titres et qualités respectifs, sous protocole observé, ce jour, c'est un grand jour où nous sommes là pour, premièrement, la réception des bâtiments, la réception provisoire des bâtiments de l'école pénitentiaire de l'Ouzoumou, et deuxième chose, le lancement par Son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice, de la formation des 50 futurs directeurs de prison. Avec votre autorisation, Madame, je m'en vais vous donner le déroulé du programme de ce jour. Nous allons commencer par un mot de bienvenue qui sera prononcé par le directeur du camp de détention de l'Ouzoumou. Viendra par la suite
le discours de circonstance par le secrétaire général à la justice. Viendra par la suite le discours du général qui est le représentant du représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la protection et des droits de l'homme. Et viendra par la fin le discours d'ouverture par son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Viendra par la suite la coupure du ruban qui sera faite par Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Et la joie de vous souhaiter la bienvenue à vous ainsi qu'à toutes les délégations qui vous accompagnent. Et grand plaisir pour vous recevoir dans ce grand chantier de l'école de formation du personnel pénitentiaire de Luvungi pour le lancement de ses activités et la formation des agents appelés à travailler dans les établissements pénitentiaires avec professionnalisme et surtout dans le respect strict des minima internationaux. Excellence, j'ai saisi également cette occasion pour vous présenter de vive voix mes très sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête de notre ministère. Et je vous promets de vous prêter main forte afin que votre avènement à ce portefeuille soit bénéfique au personnel pénitentiaire qui attend de vous les meilleures conditions de travail et l'aboutissement du processus de réforme du système pénitentiaire congolais entamé depuis 2006. Excellence, l'école de formation du personnel pénitentiaire est située dans la concession du camp de détention de Luzumu, province du Congo central, territoire de Kasangulu, groupement Kimbombo, à 75 km de la ville de Kinshasa et à 30 km du chef-lieu du territoire de Kasangulu. Bornée au nord par la localité Bana, au sud par le village Kinshona, à l'est par le village Kiselele et à l'ouest par le village Masséni. Son domaine a une superficie de 2075 hectares. Cette étendue est l'emprise des collines et des vallées, couvertes par la savane, la forêt et des ruisseaux, favorables à l'agriculture et la pisciculture dans toutes ses diversités. Excellence, comme nous savons bien que l'école de formation du personnel pénitentiaire de Luzumu est encore mineure et n'a pas tellement une historique colossale, mais avec votre autorisation, je voudrais vous faire un petit aperçu historique de cette école. L'école de formation de recyclage du personnel judiciaire, FRPJ en sigle, fut créée par l'ordonnance numéro 68-448 du 2 septembre 1968, dans le but de répondre aux besoins en formation professionnelle des agents de l'ordre judiciaire du ministère de la Justice. À sa création, l'école avait deux secteurs, à savoir criminologie et ordre judiciaire. D'où la section pénitentiaire sera ajoutée qu'en 1978, donc 10 ans après, et ne sera opérationnelle que jusqu'en 1986, faute de budget. Durant cette période, la section pénitentiaire a formé un total de 161 agents. Depuis l'arrêt de la formation initiale au sein de l'FRPJ en 1986, tous les personnels recrutés qui travaillent soit à la direction des services pénitentiaires au niveau central, soit au niveau des divisions provinciales de la justice, soit encore dans les établissements pénitentiaires, n'avaient suivi aucune formation pénitentiaire de base. Pour combler cette lacune, la MONUSCO, qui intervient depuis 2006 à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire,
organise ou soutient des formations, tant initiales que continues, sur l'ensemble du pays, au profit des personnels pénitentiaires civils et militaires, en référence aux dispositions pertinentes des règles des Nations Unies, dites règles Mandela, à son article 75.2, qui prévoit la formation des personnels pénitentiaires avant leur entrée en service. Elle a ainsi travaillé en 2015, en étroite collaboration avec notre ministère, dans l'élaboration d'un programme de formation initiale du personnel pénitentiaire congolais. En plus des nombreuses formations continues, l'unité pénitentiaire de la MONUSCO a appuyé en 2006 et en 2017 deux formations initiales spéciales des directeurs de prison, 54 directeurs cantonnés durant 3 mois à l'école de formation de la police de Kapala à Kisangani. À l'issue de cette formation excellence, votre humble serviteur était sorti le premier, lauréat avec 89,5%. Et en plus, les agents féminins de l'administration pénitentiaire, 50 femmes, avaient été aussi cantonnées toujours à Kisangani durant 2 mois et demi. Enfin, de doter cette administration pénitentiaire d'un personnel professionnalisé. Toutes ces formations excellence ont eu lieu soit dans un centre de formation de la police congolaise, soit dans un centre de formation de FARDC, ou encore dans des salles de réunion louées par les frais de la MONUSCO. Cette situation est à l'origine souvent des reports de dates pour indisponibilité des salles et aussi les coûts élevés pour la location. Très souvent, il y a eu des déprogrammations du plan de formation des agents pénitentiaires pour manque de salles de formation propres. La formation du personnel pénitentiaire nécessitant un espace suffisant pour associer la pratique à la théorie apprise ainsi que d'autres démonstrations d'intervention professionnelle, il est évident que l'espace approprié pour former le personnel pénitentiaire reste un défi énorme et ne peut être surestimé. C'est ainsi. Après entretien avec le cabinet du ministère de la Justice et la MONUSCO, une demande a été formulée pour la construction d'une école de formation pénitentiaire de Luzumu dans la province du Congo central. À ce sujet, je remercie sincèrement Madame Patience Essaï, chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, pour les choix portés sur notre site pour l'érection de ces grands bijoux. C'est ainsi que, après plusieurs discussions, le 23 mars 2021, la cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu pour la construction de la première école de formation du personnel pénitentiaire de la RDC. Aujourd'hui, Excellence, je peux vous rassurer que l'enfant pénitentiaire qui demeurait toujours locataire est devenu bailleur possédant ses propres infrastructures. Excellence, la sécurisation d'un établissement pénitentiaire repose sur deux éléments, à savoir les infrastructures et le professionnalisme du personnel. C'est pourquoi, Excellence, les formations que le personnel suivra dans cet établissement l'outillera en connaissances suffisantes, en lui évitant les antivaleurs décriées dans les établissements pénitentiaires congolais. Cela étant, l'école aura comme mission principale de doter votre administration des ressources humaines qualifiées. Je vais m'adresser aux chers collègues apprenants. La réforme pénitentiaire à laquelle vous faites part à partir de cette formation implique l'abandon des mauvaises pratiques ayant caractérisé notre administration. Nous vous invitons pour ce faire à suivre avec attention soutenue et dans la discipline les enseignants qui vous seront dispensés,
pour que vous en sortiez lauréat comme je l'ai fait à Kapala. Excellence, étant donné que l'école est trop jeune, elle connaît des difficultés pour son fonctionnement. Un cahier des charges vous sera remis à un moment venu. D'où il y a lieu d'abord de penser à quelque chose, c'est-à-dire l'affectation du personnel, dotation d'un budget de fonctionnement pour l'école, la connexion au réseau SNEL, asphaltage de la piste longueur de 17 km, dotation des moyens de locomotion pour l'école, accélération du processus de réforme. Excellence, pour terminer, j'adresse ma profonde gratitude à la MONUSCO à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire pour ses multiples assistances, d'une manière particulière, ma maman Patience Saïd. À tout Seigneur, tout honneur. Je remercie infiniment Monsieur le Secrétaire Général à la Justice pour la confiance placée en moi, en me désignant à titre provisoire pour gérer la toute première école de l'administration pénitentiaire de la RDC. Que vive la RDC, que vive le ministère de la Justice, je vous remercie. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, à l'occasion de cette cérémonie qui marque l'inauguration du centre de formation du personnel pénitentiaire et le lancement officiel de la session de formation des 50 futurs gardiens et gardiens adjoints des établissements pénitentiaires. Je voudrais avant tout remercier Son Excellence Madame la Ministre d'État, ministre de la Justice, qui, malgré son agenda chargé, a bien voulu personnellement présider cette cérémonie. Ceci démontre à Sylvain son intérêt, l'intérêt qu'elle accorde à ce domaine important du secteur de la justice. Que Madame votre autorité trouve ici l'expression de ma très profonde gratitude. La mise en place de ce centre de formation ouvre la voie à la à des ressources humaines qui seront professionnelles dans le domaine pénitentiaire. Cette session aussi permettra à notre administration à disposer d'un personnel formé, qualifié et intègre, qui saura apporter des réponses appropriées aux objectifs et défis de sa mission. Elle s'inscrit dans la continuité des formations antérieures organisées en faveur des cadres pénitentiaires à Kapalata, dans la province de la Togo, ainsi qu'à l'extérieur du pays, notamment au Burkina Faso, au Ghana et au Sénégal. L'implantation de ce centre à Luzoum répond à certaines exigences de la formation des agents pénitentiaires qui doivent être soumis à des exercices paramilitaires, en vue de leur permettre d'assurer la sécurité des prisons et d'intervenir en cas d'urgence. Excellence, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. S'agissant de la formation des 50 agents pénitentiaires, elle vise le renforcement des capacités des futurs gardiens qui seront chargés de la gestion des prisons. Les participants ont été sélectionnés sur toute l'étendue de la République. Et parmi les personnels qui seront déployés sur ce terrain, ayant un minimum d'études voulues, c'est-à-dire une licence pour les hommes et un graduat pour les femmes. Au terme de cette formation, les candidats qui vont se distinguer pourront être affectés comme directeur ou directeur adjoint des prisons
ou des camps de détention, ou encore comme cadre d'appui à la réforme à l'administration pénitentiaire. Je demeure donc convaincu qu'à l'issue de cette formation, les participants seront à mesure de connaître à faire appliquer les règles régissant le fonctionnement des prisons, appliquer les règles en matière de sécurité dans les prisons, comprendre l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, connaître et faire connaître et faire appliquer les principes de base du fonctionnement d'une prison et le rôle à jouer par les détenus à haut risque. Faire appliquer les règles internationales en matière de traitement des détenus. Maîtriser les développements techniques de maintien de l'ordre dans les prisons. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, je vous remercie pour l'attention que vous avez voulu accorder à mon avis. Les Nations Unies, représentants. Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le secrétaire général de la Justice. Madame l'administratrice du territoire de Kasangulu. Monsieur le président du tribunal de paix de Kasangulu. Madame Mesdames et Messieurs le président du tribunal de paix de Kasangulu et Monsieur le procureur près du tribunal de Kasangulu. Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs les stagiaires, Mesdames et Messieurs les invités, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de procéder à l'inauguration du centre de formation pénitentiaire de Luzumu. L'activité de ce jour est un signal fort de l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo dans une dynamique de modernisation de l'administration pénitentiaire et surtout de la professionnalisation de son personnel. Convaincu que la formation est le socle de toute action, je l'ai inscrite dans l'ordre des priorités dès mon arrivée à la tête du ministère de la Justice. C'est conformément à la volonté de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Mesdames et Messieurs, les missions de l'administration pénitentiaire consiste à protéger la société, à veiller à l'exécution de peines et autres mesures privatives de liberté et à préparer les détenus à leur réinsertion dans la société. Ce centre permettra d'accroître les capacités de notre administration pénitentiaire pour faciliter ses actions. Il est donc évident pour tous que les agents pénitentiaires constituent un corps d'élite. Leur formation s'avère donc être une priorité. Aussi, au nombre des résolutions issues des États généraux de la justice tenues à Kinshasa du 24 avril au 2 mai 2015, la formation initiale, comme la remise régulière à niveau, entendez la formation continue, occupe une place de choix. Notre ambition dans ce secteur vise l'atteinte progressive des standards internationaux tels que pratiqués dans les États modernes en matière carcérale. Il y a certes des défis à relever, mais nous avons l'espoir de les surmonter grâce à l'implication de tous. L'idéal pour nous est de mettre sur pied une administration pénitentiaire moderne, capable de faire respecter les droits de l'homme dans les maisons carcérales. C'est pourquoi
la réforme du système pénitentiaire s'avère plus qu'indispensable. Mesdames et messieurs, c'est ici pour moi l'occasion de remercier solennellement la MONUSCO, le PNUD et tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur appui. La promiscuité de la MONUSCO avec mon ministère pour nous accompagner dans ce processus de réforme de l'administration pénitentiaire est très appréciée par le peuple congolais et son gouvernement. Je voudrais donc, à travers le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, exprimer toute ma reconnaissance à la MONUSCO pour ses multiples réalisations en faveur de la République démocratique du Congo. Je vous invite par cette occasion à poursuivre la construction des infrastructures restantes qui permettent le déroulement normal des activités de ces centres. J'invite également les autres partenaires techniques et financiers à se joindre à la MONUSCO pour une synergie d'action en vue de finaliser les travaux de construction déjà amorcés. Mesdames et messieurs les stagiaires, le centre accueille aujourd'hui et pour la première fois 50 agents sélectionnés que vous êtes sur base de critères bien définis pour une formation continue des gardiens de prison. Je voudrais donc vous féliciter non seulement pour votre sélection, mais aussi pour le privilège de constituer la première promotion de ce centre. Mesdames et messieurs les stagiaires, le métier que vous avez embrassé est un sacerdoce qui requiert professionnalisme et abnégation. C'est un métier difficile, certes, mais qui est noble et passionnant. Pendant un mois, des formateurs chevronnés et pétris d'une riche expérience pénitentiaire, y compris les experts de la MONUSCO, vous inculqueront les connaissances nécessaires et vous équiperont des compétences avérées pour vous permettre de faire face en toute responsabilité à vos futures obligations. La confiance en vos formateurs et la solidarité avec vos collègues seront indispensables pour le succès de votre formation. Je vous invite donc à suivre avec assiduité les cours qui vous seront dispensés pour votre capacitation. Il est certes impossible de faire de vous des pénitentiaires parfaits, mais que chacun de vous mette du sien durant cette formation afin d'être des professionnels dans vos futures fonctions de gardien. Ainsi, à protéger et à entretenir jalousement ces infrastructures pour qu'elles servent également aux promotions futures. Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général, monsieur le représentant de PNUD, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mes propos en joignant ma voix à celle de monsieur le représentant adjoint du secrétaire général pour féliciter leurs partenaires GOC pour la qualité des travaux réalisés. Mes encouragements s'adressent également aux formateurs du centre et vous assure de mon engagement à vous soutenir pour l'atteinte des objectifs de cette formation. À vous tous, je me fais le devoir de confirmer que le gouvernement de la République démocratique du Congo veillera avec une grande attention sur l'exécution de la vision éclairée du chef de l'État qui veut faire du secteur de la justice un instrument de protection des libertés et des droits fondamentaux, y compris ceux des détenus
en République démocratique du Congo. Ainsi donc, je déclare ouvertes les activités du centre de formation pénitentiaire de Luzumu et souhaite plein succès à la première session des gardiens de la prison en République démocratique du Congo. S'il vous plaît, là-bas. S'il vous plaît. Je vous remets ce symbole pour que vous puissiez gérer ce centre en bon père de famille. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Ça, on met où? Ici. Je suis là. Oui. C'est une classe de mais compte tenu de la pandémie, que nous avons utilisé en trois. L'espace battu, les terrains de côté, tous les gens de nos bâtiments du Liban, les bâtiments du Stade, nous avons déjà utilisé. Nous avions prévu. Yeah.
Bilenge bazali mingi ezali te pona esengo ezali ke bo samande bo bongisa bizaleli boyebi ke ba decision tozwaka na bambula na bambula er moko tokataka nani sanction c'est-à-dire bambulo bakateli bino tobimisi bino tosala kango sur base ya discipline bozanango na ndenge comportement bozanango na kati ya luzumwao bozolandangai oui mama esenge kozala makasi pona zala na bato ebele neti na moni boyete yangwana na lobi boye mutu na mutu aluka ko respecte mitindo ya esikoyo ya mibale mutu na mutu ayeba pourquoi akotiawa punition te po mutu na mutu ayebi tina ememeli ye awa me ngai en tant que maman na kosepela bozala na comportement malamu e de bino bokoka ko retrouver ba famille na bino de mon côté na kosala ke ngongo bozanango awa bokoka kolekisango na kati ya environnement ya kitoko ya kolia ya kolala ya soins médicaux en attendant bambula na bino bokoka kosilisango upa na esiko toyokani nalingi oyoka témoignage ya malamu na bino misusu babandakokanisa ndenge balongoli bango kuna
baye koti abango na lubwako. Mais prison na bino na kanisa ezali prison oyo eza elembo ya mboka mobimba. Yango wana na sengi bino merci mingi pona akeyi na bino boto saba konzi na bino bobate la place oyo bozolala po ezala toujours présentable ndenge tomoni yango boye. Merci beaucoup. Oh, deuxième groupe. Wow.
Certaines feuilles là nous permettent quand même de faire l'arrosage. Vallée là. Si vous avancez là, comme vous voyez, il y a là nous mettons maintenant les. Vous voyez, il y a des trucs blancs là. Toutes ces cannes à sucre, nous les prenons. Mais non. Monsieur, bonjour. Est-ce qu'on peut savoir votre nom? Je m'appelle Evariste Radi. Alors, vous faites partie des stagiaires qui sont retenus pour apprendre les notions carcérales. Quelle a été votre motivation de vous lancer dans ces métiers? Et ma motivation n'était simple que celle de protéger une couche de la population qui est privée de liberté. C'est ainsi que je me suis lancé aussi dans ce domaine-là afin de pouvoir aider dans et ces gens-là dans toutes les normes requises par les droits de l'homme. Alors vous avez fait quelle lecture de la situation carcérale de notre pays avant de vous lancer, bien évidemment, dans ces domaines? Oh, mon frère, la situation était catastrophique de telle sorte que la prison a été un mouroir, mais nous voudrions est-ce qu'il y ait une réforme, est-ce que les gens puissent vivre, qu'ils se sentent comme des personnes humaines et qu'ils se sentent comme des personnes qui ne sont pas épargnées du monde extérieur. C'est ce qui m'a poussé à faire. Pensez-vous qu'à l'issue de votre formation, vous serez à mesure de transformer cette mauvaise image que nous avons de nos différentes prisons? Je suis à mesure et je le serai toujours à mesure. Suite d'une formation acquise ici et de l'expérience déjà acquise dans différentes prisons, parce que j'en ai déjà fait plus de 5 ans dans ce service-là. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment ça va votre nom? Mon nom c'est Sefo Vincent. Alors, vous faites partie des 50 stagiaires retenus pour apprendre les notions carcérales. D'abord, quelle a été votre lecture de nos différents centres de carcé, de nos différentes prisons avant de vous lancer dans cette formation? Vous dites la question, reprenez encore la question. C'était quoi votre motivation avant de vous lancer dans ces métiers? Les soucis d'abord étaient d'abord de modifier, améliorer d'abord les conditions de vie des détenus dans le milieu incarcéral. Changer les milieux, les transformer comme des êtres humains, comme on les prend souvent comme des inhumains, mais on cherche à modifier et à les prendre comme les autres gens, malgré qu'ils sont en détention. Que vous serez à mesure, après votre formation, de transformer cette mauvaise image que nous avons de nos prisons? Bien sûr, avec cette modification que nous recevons de cette formation, nous serons à mesure de transformer la vie des détenus dans des prisons. Est-ce que vous avez l'appui ou le soutien total du gouvernement? Nous n'avons pas l'appui du gouvernement, sauf nous-mêmes qui nous faisons de tout le marketing pour chercher à élever le niveau des détenus dans les prisons. Alors, quel est votre dernier message à toutes les autorités qui vous regardent? Mon dernier message est que l'État prenne en charge toutes les prisons, puisque les prisons sont abandonnées, ils ne sont pas bien encadrés. Alors les gens qui sont dans des prisons, ce sont des humains qui doivent être bien encadrés par l'État. Donc nous demandons à l'État qu'il prenne en charge la population carcérale. Mesdames et Messieurs, une mission spéciale qui a été consacrée à la défense de Madame la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, au niveau des deux où nous sommes donc là, au territoire de Kassamboum, dans la province des Congo centrales, comme je le disais. Nous sommes donc à 75 km de Kinshasa. Il était question de procéder au lancement de la première école de formation du personnel pénitentiaire de la République démocratique du Congo. Madame la ministre a donc procédé à ce lancement. Elle a procédé à aider l'occasion de visiter également les différents sites de cet établissement. Depuis, nous sommes Hervé Idoma, Congo de Télévision.